la pandémie, le cyber, le climat, autant de risques de nature systémique qui mettent en question le modèle assurantiel français. Les derniers événements montrent que le secteur de l'assurance est peu ou mal connu des décideurs et de l'opinion publique, ainsi que la nécessité de mener des actions de prévention. Cet avis a pour objectif de sensibiliser à la fois les pouvoirs publics et l'opinion publique et les acteurs économiques sur la nécessité de réfléchir à un changement de paradigme nécessaire face à ces risques systémiques de plus en plus prégnants. Connaître, prévenir, indemniser, ce sont les trois axes des préconisations qui figurent dans cet avis. Pour mieux connaître et appréhender les risques, il nous semble indispensable de créer une haute autorité qui soit véritablement en charge de ce sujet-là au plus haut niveau de l'État, afin qu'elle puisse coordonner avec un caractère véritablement transversal interministériel pour pouvoir appréhender et se préparer à la survenue de l'ensemble de ces risques. Réduire l'exposition aux risques, c'est investir massivement à tous les niveaux de l'économie pour tous les acteurs. Pour cela, il faut donc déployer un ensemble d'outils financiers, mais également normatifs, pour avoir un ensemble coordonné à tous les niveaux, sur tous les sujets, aussi bien sur le bâti, sur des zones en sécheresse, que sur des problématiques d'inondation. Une politique coordonnée et massive est indispensable. Indemniser, responsabiliser et partager le risque pour pouvoir apporter à tous les acteurs, particuliers entreprises et collectivités, un outil, une couverture d'assurance au moins minimum accessible pour tous.